Bonjour, voici la guidance dans la continuité des guidances polarité yin, polarité yang pour les duodames. Voici la guidance pour la polarité yang après avoir fait la polarité yin. Allez, on y va. Allez, je vais commencer par mon oracle, l'oracle sacré. Allons-y. Alors, j'ai tout un paquet. Je vais prendre juste la première carte. Il est question de se connecter à sa spiritualité. Hein, et pourquoi? Ben, la chouette là. Elle a une enveloppe dans le bec, tu vois. Eh bien, il y a un message que tu peux recevoir. Hein? Hop, donc on laisse le paquet, on prend que ça. Et je continue. J'ai envie d'en prendre encore deux autres, comme dans pour la polarité yin. Voilà, vas-y. Ah, ok. Ouais. Alors, là, on a isolement, repli sur soi. Ça peut être aussi le besoin hein, de revenir à soi. Hein? Donc, elle n'est pas forcément que négative, cette carte, même si j'ai mis des barbelés autour. Là, ça peut être aussi le besoin de se retrouver hein, également. Donc, au départ, peut-être que ça peut être vécu. Il y a peut-être une solitude qui peut être vécue de manière vraiment difficile. Donc il y a les barbelés qui font que la carte est un peu dure, la porte bon elle est grise mais on a une poignée quand même qui est colorée et donc tu peux aussi décider de chasser ce nuage là. Dans un premier temps ça peut être dur mais on voit bien que le nuage eh ben, il va se chasser parce que regarde là on a encore le nuage mais le ciel là se dégage, voilà. Et on va te demander en fait je pense qu'il y a un changement de perception si tu arrives à voir les choses autrement, mais à te connecter à l'intérieur de toi. À venir écouter ton âme, c'est-à-dire qu'est-ce que tu ressens dans ton corps physiquement, ça se contracte, ça s'expanse, il y a une expansion, c'est-à-dire une détente, un relâchement. Voilà, quand tu penses à une personne, quand tu penses à une situation, qu'est-ce qui se passe? Ça se contracte ou il y a une expansion? Eh bien, cette solitude, elle est là, en fait, qui peut être visiblement vécu de manière assez difficile, elle est là pour que tu sois plus en contact avec toi-même, avec ton âme. Voilà. Moi, il m'en manque une, donc je te mets ça. Voilà, je te mets ça comme ça. Je vais enlever mes cartes après. Hein, mais comme j'ai pris beaucoup de jeux, je voudrais pouvoir avancer, que ça fasse pas des guidances trop grandes. Voilà, et là, bah, la polarité yang a un choix à faire. Bah, le choix, oui, il y a un choix à faire, je pense, dans la matière aussi. Il y a quelque chose, vraiment, peut-être changer de direction, aller vers... créer quelque chose, avoir un nouveau projet. Mais le choix, il est là déjà. Il est là, il est de subir ou de transformer. Qu'est-ce que tu décides? De subir ce que tu veux ou de voir les choses différemment? De changer ta perception des choses? Et du coup, bah pourquoi pas, ça t'emmènera dans une autre direction qui sera, tu vois, plus lumineuse. Le ciel se dégage, on l'a vu. Et puis, on a des jolies fleurs aussi. Puis, des jolies fleurs exotiques. Mais là, on a des moins exotiques en haut aussi. Voilà pour le choix. Je vais les mettre de côté. Et puis, on va voir. Alors, polarité yin, j'ai oublié de prendre l'oracle des flammes jumelles. Donc, je vais te sortir... On va battre les cartes pour la polarité yin, comme j'avais oublié dans la continuité. Et je vais prendre battre après pour la polarité yang. Comme j'ai oublié pour la polarité yin, de quoi il s'agit, quel est le message qu'elle recevait. Polarité yin, c'est la noirceur. Rencontre, ombre, lumière. Tu peux faire pause et zoomer pour voir mieux le texte. Il a suffi d'un regard, d'un battement de cils, d'une respiration pour que ta vie bascule dans et sur ce chemin de flammes jumelles. À tel point que tu en as oublié ta vie d'avant. Tu n'es plus, mais au fond, étais-tu. Beaucoup de schémas mis en place qui sont mis là face à toi. Autant d'ombre, mais aussi une grande lumière. Une chose est certaine, ce chemin est bien le bon, le tien, le sien, le vôtre, aie confiance, la route ne fait que commencer. Alors,
Cette guidance est une guidance générale, pas une guidance personnelle, hein, comme je le dis souvent. Tu peux te retrouver dedans, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des moments de la guidance qui te parlent et qui résonnent. Donc oui, là, il y a un message. Si ça ne résonne pas, alors c'est la guidance, c'est pas pour toi. Mais attention, si tu es dans une relation toxique, donc à bien voir dans quoi tu es. Ici, il n'est pas question de rester dans une relation toxique. Hein. Quand la carte te dit une chose est certaine, ce chemin est bien le bon, le tien, le sien, le vôtre, aie confiance, la route ne fait que commencer. Oui, cette carte, elle ne sort pas par hasard, mais attention dans quel type de relation tu es. Voilà. Oui, ce n'est pas toujours évident de voir. Au fur et à mesure sur ce type de relation de flamme jumelle, eh bien, c'est en avançant sur le chemin. Bon, on sent quelque chose, il se passe quelque chose, mais au fur et à mesure que tu vas avancer, eh bien, tu vas pouvoir voir dans quoi tu es de plus en plus. Et il n'y a que toi, personne d'autre que toi qui peut savoir dans quoi tu es, dans quel type de relation tu es. Si tu viens bien à l'intérieur, au fond de toi, tu sais, il n'y a personne qui va te dire tu es dedans ou tu n'es pas dedans. Non, c'est toi. Au fil du chemin, au fil du parcours, au fur et à mesure que tu avances dans ta vie, parce que finalement c'est une relation, mais de toute façon, quand tu es en relation avec autrui, chaque personne que tu rencontres est là pour ton évolution et toi tu sers aussi son évolution à cette personne. Donc c'est vraiment un chemin de vie, c'est une histoire. De chemin de vie. Voilà. Polarité yin, eh bien, on nous parle de l'œuvre noire ici, de voir ses ombres. Et quand on met effectivement la lumière sur ses ombres, sur ses ombres à l'intérieur, quand tu vois tes ombres à l'intérieur, eh bien, il y a plus de lumière qui se fait. Ce sont les prises de conscience, la lumière, les déclics. Et au fur et à mesure, eh bien, ta conscience, elle s'agrandit, elle s'ouvre. Et tu vois les choses de manière. Tu as plus de clarté, tu reçois plus de clarté. Mais il faut pouvoir accepter d'aller voir son loup noir, comme on dit. Il y a le loup noir et le loup blanc. Et c'est ça. Et cette relation-là de flamme jumelle, c'est celle qui va te renvoyer justement toutes tes ombres en face. Elle va te mettre face à ton loup noir. Ça, c'était pour la polarité yin, comme je ne l'ai pas fait dans l'autre guidance, je m'excuse, j'ai complètement oublié. Et donc, voilà l'illustration de cette carte. Et pour la polarité yang, allons-y, une autre carte. Ben, je vais remettre tiens, cette carte-là dedans, puis on verra, parce que des fois, la même pourrait éventuellement sortir. Donc, je la remets. Et non, celle qui veut se présenter, c'est celle-ci. La fuite. Polarité Yang, la fuite. Arrêt, émotion, apaisement. Je suis en colère, je ne supporte rien, est-ce à moi, est-ce à toi? Qu'importe, je ressens que je rejette tout, tout ce qui est là autour de moi. Je ne supporte rien, je te rejette. Mais je rejette également ce que je ressens en moi. Je fuis, je ne veux pas voir, je ne veux pas entendre. Je suis sur la défensive. Mais pourquoi tout cela? À quoi tout cela sert? Il est bien là le temps de l'accueil de l'émotion que je ressens et non plus encore la rejeter ou la fuir, hein, cette émotion. En stoppant cette blessure, en l'accueillant à bras ouverts, je l'apaise. Ben, la blessure de rejet, hein, peut-être. Parce que faut savoir que nous avons tous et toutes ces blessures-là en nous. Hein, les cinq blessures qui empêchent d'être soi, de Lise Bourbeau. Voilà. Donc on a la blessure d'humiliation, de la justice, d'injustice, humiliation, injustice, rejet, abandon. Et il m'en manque toujours une. Eh bien, écoute, si tu veux me la dire en commentaire, hein, dis-la moi en commentaire, je l'oublie tout le temps, la dernière. Trahison, non, j'ai trouvé, trahison. Humiliation, injustice, trahison, abandon, rejet, et on les a toutes. Eh bien, on te demande d'aller voir là,
cette blessure-là. Et donc, dans la polarité yang, face à souvent à plus la blessure d'abandon, mais la blessure de rejet aussi, bien évidemment, les deux ont, yin-yang, ont ces deux blessures-là. Et elle demande aussi à être vue également. C'est peut-être le moment pour pouvoir s'équilibrer en fait, s'équilibrer, équilibrer ces deux polarités en soi, yin et yang, parce on a les deux en soi. Allez, hop, les portes de l'univers, allons-y pour les portes de l'univers. L'esprit de prospérité. En vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Donc on voit bien qu'on est dans l'énergie, la polarité yang ici. Oups. Pourquoi? Parce qu'il y a cette notion de prospérité. Alors la prospérité, ce n'est pas uniquement le matériel. Hein, ce n'est pas uniquement ça. La prospérité, c'est en règle, c'est en général en fait. Hein, c'est de manière globale. Avoir la prospérité dans tous les domaines de sa vie et s'ouvrir à elle. Ben oui, parce que ça veut dire que là, il y a peut-être quelque chose qui était qui était bloqué en fait. Il y a peut-être quelque chose qui est bloqué à ce niveau-là pour la polarité yang, hein. Cet aspect comme ça de la prospérité. Je vais aller voir justement l'esprit de la prospérité. Et on va en prendre une autre. En ce moment, c'est ce qui, par rapport à la relation, polarité, pour la polarité yang, il y a qu'est-ce qui se fait en ce moment dans la relation? Quel est le travail qui se fait en ce moment dans la relation? Eh bien, c'est ça. C'est l'esprit de la prospérité, en fait. Donc, je vais aller voir où il est, l'esprit de la prospérité. Qu'est-ce que Vanessa Mixarek nous dit sur cet esprit de la prospérité. L'enseignement de cette carte, c'est vivre la prospérité est un état d'esprit qui suit les principes d'enrichissement universel. L'argent est un symbole matérialisé, une énergie d'échange entre les êtres. Il circule, se décuple à l'infini et remplit la vie des personnes ouvertes pour le recevoir. Plus nous nous autorisons à être riches, donc riches, hein, à l'intérieur, hein, et bien plus nous sommes conscientes de notre valeur, c'est ça aussi la richesse, c'est vraiment prendre conscience de cette richesse que tu as en toi et de l'impact positif que nous exerçons sur la vie d'autrui. Alors l'abondance vient à nous comme par enchantement. Donc là tout de suite ça me fait penser à ah mince, au complexe de l'imposteur, comme on dit ça. Voilà, que je connais bien moi. Là on te dit. C'est ça, de voir aussi la richesse que tu apportes à autrui. Eh bien, lorsque tu vois ça, lorsque tu prends conscience de ta richesse et de ce que tu apportes aussi à l'extérieur de toi, alors l'abondance vient à toi comme par enchantement. Donc il y a cette notion de s'ouvrir au flux, hein, de la prospérité, au flux de l'univers, permet de voir sa vie en grand et de se réjouir, et du coup de se réjouir aussi de la richesse d'autrui. Donc ça, c'est une carte qui est de bon augure, te dit Vanessa. Elle annonce un changement dans votre vie financière. Vous avez déjà compris combien la richesse est en lien avec la valeur que vous vous attribuez. Aujourd'hui, vous avez une occasion d'appliquer la loi d'enrichissement. Engagez-vous dès maintenant à être prospère et considérez l'argent comme une énergie bénéfique. En cessant de vous limiter, de vous centrer sur vos manques ou de vous dénigrer, vous allez rehausser l'estime de vous. Votre fréquence va s'élever, rayonner et vous connecter au réservoir infini d'abondance du plan subtil. Ainsi, vos canaux de réception peuvent attirer sur le plan physique tout ce que vous êtes prête ou prêt à accueillir dans votre vie. Alors, voici ce que tu peux faire, comment activer justement la magie de cette carte. Aujourd'hui est un grand jour. En adoptant l'esprit prospère, vous ouvrez grand la porte de la richesse. Pour aider l'univers à vous combler, vous devez effacer de votre esprit toute idée de manque. Et oui, le manque attire le manque. Tout sentiment d'insécurité, très important, hein, aussi, d'enlever tout sentiment d'insécurité en toi. Et toute croyance négative à ton égard. Tu vois, il y a trois choses en fait. Hein. Enfin, deux choses. C'est effacer ton esprit l'idée du manque,
Oui, il y a bien trois choses. Effacer l'idée de ton es de, effacer, pardon, de ton esprit, je vais y arriver, l'idée de manque. Effacer tout sentiment d'insécurité et effacer toute croyance négative à ton égard. Trois choses. Pour permettre à l'énergie de la prospérité de circuler en toi et dans ta vie. Donc, dès que vous observez l'un de ces aimants à pauvreté, ayez le réflexe de l'envelopper. Toi, Vanessa, appelle ça les aimants à pauvreté. Je trouve ça très joli. Ayez le réflexe de l'envelopper de lumière pour en désactiver l'information. Ah, ça, la lumière, c'est très puissant. En ayant de la gratitude pour tout ce qui a trait à l'argent, crédit, débit, et les deux, hein, crédit, débit, et pour ce que vous avez déjà. Ça, c'est très important, avoir de la gratitude pour ce que tu as déjà. Vous vous rendez disponible à accueillir davantage. Mais moi, j'ai envie de te poser la question, est-ce que tu es prête ou prêt à accueillir davantage? Donc, que ce soit l'argent ou autre, c'est la prospérité. L'esprit de la prospérité, ce n'est pas que l'argent. Par exemple, si c'est une relation épanouissante, satisfaisante, bah oui, est-ce que tu la veux intérieurement, cette relation-là épanouissante et satisfaisante et ressourçante et enrichissante? Parce que bah, si tu ne la veux pas, comment te retrouver avec ton autre? Voilà la question que je te pose. Alors on te dit que tout est énergie. Reliez-vous à des personnes qui réussissent et vous inspirent. Naturellement, l'intelligence de votre être va capter leur formule magique et la faire vôtre. L'affirmation magique, c'est « Je suis un aimant », voilà le mantra. Je suis ou l'affirmation, je suis un aimant à richesse et je reçois argent, amour, santé par les voies parfaites. Je te le redis, tu peux le noter. Je suis un aimant à richesse et je reçois argent, amour, santé par les voies parfaites. Tu peux écrire ça, le coller sur le miroir de ta salle de bain et tu le verras tous les jours et ça, ton subconscient va le capter et ça va faire son boulot. Ça va faire son travail, pardon, je parle poliment, dans le sens où tu vas être inspiré par certaines idées, tu vas recevoir des idées inspirées, tu vas recevoir des pensées inspirées et tu vas pouvoir passer à l'action inspirée. Voilà. Et oui, rien ne change sans action. Bon, ben, je crois que c'est bon. En fait, non, je voulais prendre une autre carte et non, on va s'arrêter là parce que je crois qu'elle est tellement belle que voilà, c'est pas la peine d'aller plus loin. Et je continue avec le tarot essentiel. Pour la polarité Yang. Beaucoup de choses très riches aujourd'hui. La sagesse. Alors, je suis contente pour la polarité Yin, j'ai tout sorti à l'envers. Et là, ça sort à l'endroit. Et eh bien, c'est le 9. Le 9, la sagesse. Le 9, c'est aussi une gestation, le temps d'une gestation aussi également. Hein, quelque chose qui peut être en gestation. Et ça peut être aussi la patience. Avoir cette sagesse, c'est aussi peut-être avoir la patience. En tout cas, cette carte est reliée puissamment à la spiritualité, à tout ce qui est. À l'intérieur, on l'a vu tout à l'heure, au fait de s'intérioriser, ça se dit ça? À l'intériorité. Voilà, ici tu l'avais là. Hein? Se retrouver, tu te souviens? Et que ça, en fait, on te demandait de transformer. Si tu le vivais difficilement, il y avait cette notion de voir que c'était vraiment pour pouvoir être en connexion avec ton divin intérieur. Avec la source, avec l'univers, avec la source de vie. Voilà. Eh bien, la sagesse, c'est ça. Et la source, regarde, ça coule là. Il y a cette notion de laisser couler, hein. On l'a vu avec l'esprit de la prospérité. Eh bien, il y a, je vais le laisser là, tiens. Il y a cette notion de laisser couler là. Laisse couler. Laisse la source. Il faut que ça coule en toi. Voilà. Donc là, je te parlais de patience, mais il y a cette notion de persévérance. Patience, persévérance. Il y a cette notion aussi de prendre du recul aussi face à une décision. On a vu qu'on avait un choix tout à l'heure. Il y a un choix à faire, une direction à prendre. On te demande de prendre du recul. Tu peux prendre du recul en t'élevant dans les airs, telle cette chouette-là qui vole. Elle prend de la hauteur, tu vois. Hein? Voilà. Elle prend de la hauteur et elle est à l'écoute. Elle est à l'écoute. Elle reçoit de la source.
C'est le guide intérieur. Hein. Du coup, ici, notre chouette, ici, c'est le guide intérieur. Hein. Elle représente le guide intérieur également. Le maître, le sage, le professeur aussi. Hein. C'est vraiment tout ça, là, cette carte de la sagesse-là. Hein, ici. Donc, c'est vraiment le recul et le temps qui est nécessaire pour pouvoir prendre une décision. Voilà. Il y a la solution à un problème, mais qui demande le temps de la réflexion. Voilà. Et peut-être, du coup, de faire des recherches, d'aller étudier quelque chose. C'est cette notion-là. On parle aussi de sobriété, on parle de discrétion également. Tout ça est relié à vraiment à l'intériorité, hein. À revenir à soi, en fait, comme ça. Et c'est vraiment écoute ton guide. Avant tout, c'est écoute ton guide. Pour que la source coule, sois à l'écoute de toi, de tes besoins, de tes désirs, de tes envies, de toi. Et laisse couler et prends du recul et accueille ce qui est, lâche prise. Pour lâcher prise, essaie d'être dans la détente. De faire quelque chose qui puisse t'apporter du bien-être et de la détente, ça aide. Hein, à lâcher prise. Ça peut être aussi faire des respirations profondes, hein, aller nager aussi, aller marcher. Voilà. Alors pour la polarité Yang, eh bien, ouais, c'est le temps de la réflexion. Les Grecs vont voir le prophète Calchas. Il y a une trêve, il y a une pause pendant la guerre de Troie. C'est quelle est la stratégie à suivre? Donc, ils vont voir le prophète. Il y a un temps de pause. C'est le moment de la réflexion, de l'analyse de la réflexion. Voilà, cette fois-ci. Voilà à quoi sert ton mental. On équilibre les deux polarités, Yang, polarité Yin. La polarité Yang, elle est dans la stratégie, dans l'analyse, hein, dans quelque chose de concret, dans le matériel, dans le visible. C'est le masculin, c'est une énergie masculine. Et ce ne sera pas forcément toujours un homme, ça peut être une femme, hein, de sexe féminin, je parle. Du genre féminin aussi. C'est genre masculin ou genre féminin, ça peut être les deux. Et la polarité yin, c'est l'intuition, le ressenti, le féminin, les sentiments, les sensations, les émotions, l'invisible, c'est tout ça. Et c'est pareil, cette polarité yin, ça peut être de sexe masculin ou de sexe féminin. Et bien là, on voit bien qu'on est bien dans le yang parce qu'il y a cette notion d'aller, quelle stratégie à prendre? Hein, celle-là, c'est... Oups, ben on va voir. Ouais, parce que là, on a une polarité yang qui est un petit peu perdue. Là, très clairement, il est question de séduction aussi, mais quelque chose où on est peut-être séduit par quelque chose et on en perd ses moyens. On est perdu, on en perd ses moyens complètement. Donc, en fait, parce que notre polarité Yang ne sait plus justement où elle en est, eh bien, il est temps de prendre conseil pour justement de faire des recherches, d'aller étudier, de réfléchir. Pour savoir quelle est la direction à prendre, justement. Et ça peut être entre, là on est dans le futur, entre maintenant et le signe du taureau, ça va être important. On peut avoir une polarité Yang aussi qui peut être complètement, bon on a vu, hein, 9 mois, une gestation. Hein. Bah alors attends, une gestation. Ouais, la gestation, là à partir de maintenant, elle nous emmènerait au printemps prochain. Pas complètement en taureau, avant le taureau pour une gestation, mais ça veut dire que il y a quelque chose qui peut être perturbant d'ici là et peut-être que ça demande à être préparé avant. Hop, elle a voulu sauter celle-là, je la prends. Et oui, c'est quelque chose qui vraiment notre polarité Yang là, elle a beaucoup avancé. Là, elle est une étape importante avec notre alchimiste là. Et l'étape importante, bon, ça a déjà le travail il a déjà été fait hein, parce que là on est dans le passé ici. Hein, donc, mais l'étape importante, eh bien, quand il verse le dissolvant, c'est quoi? On arrive à l'œuvre rouge. On arrive à la réalisation. Et donc ça demande peut-être une certaine concentration. Et d'ailleurs ma bougie vient de s'éteindre. C'est bien parce que j'arrive à la fin. Donc c'est parfait. Tout est toujours juste. Voilà. Même si des fois on n'a pas l'impression. Des fois il nous faut un peu de patience, un peu de persévérance pour voir qu'en fait tout est juste à l'instant T, en fait. Même si parfois ça peut être douloureux. Juste dans le sens que les choses ne se passent jamais par hasard et que d'un point de vue plus.
D'un point de vue spirituel, il y a toujours une raison, même si parfois ça peut être extrêmement douloureux. Donc il faudra du temps, aussi de la patience pour voir ce qui a été et le cadeau qui en a émergé, et souvent beaucoup de résilience, parce que là, dans la polarité yang, il y a la notion de résilience qui me vient là aussi. La résilience et le pardon, et ça c'est pour soi, c'est pour se libérer soi, quelle que soit ta situation. Donc ici, il y a toujours il y a quelque chose qui est important, on te demande d'être discrète ou discret sur ce que tu vis en ce moment, sur les informations que tu reçois, c'est très important. Donc, parce que le manque de discrétion pourrait faire capoter quelque chose. Donc, si tu vas voir, par exemple, quelqu'un, un expert pour avoir plus d'informations sur une situation, fais-le dans la discrétion, c'est ça qu'on te dit, pour éviter tout problème, tout simplement. Et ici, on voit que ça s'est peut-être passé aussi, ou là on te tient en alerte pour pas que ça se fasse, c'est très très proche. Ici, on peut avoir vraiment des nouvelles désagréables, une visite désagréable qui effectivement peut complètement te perturber ici. Mais on n'oublie pas que tu as le talisman ici. Et ça, c'est le talisman de Saturne, si je me trompe, on ne me trompe pas. Oui, c'est le talisman de Saturne. Et donc, ce talisman, est là, il est là pour toi en protection. Il est là pour t'aider, hein. Il n'est pas là pour t'embêter. Il est là vraiment pour toi en protection. Vraiment. Donc quand tu as un talisman sur toi, ça veut dire que quoi qu'il se vive, tu vas y arriver. Mais ça demande justement d'aller demander conseil ici. Si tu as le talisman, c'est voilà, va prendre conseil justement pour avoir cette protection-là, pour savoir vers quoi tu vas. Hein, ça, c'est ça qui va être important ici. Et donc, il faut pouvoir s'arrêter aussi, se poser les bonnes questions également. Hein. C'est ça. Pouvoir s'arrêter et ouais, c'est d'où l'intériorité ici. Hein. Donc on avait le repli sur soi ici, justement. Et ça peut être aussi pour se protéger également. Hein. Parce que bon, quand tu as ça, c'est que tu peux avoir de la jalousie ici. Hein. Avec le talisman, là, tu peux avoir de la jalousie. Et si t'es pas discrète ou discret, ben tu peux te retrouver dans une situation désagréable parce que bah, face à des personnes qui ne sont pas toujours très sympathiques, n'est-ce pas? Voilà. Donc on te dit de faire attention. Mais n'oublie pas que tu as cette sagesse. Et donc écoute-toi, écoute ton guide intérieur, fais-toi confiance. Finalement, le plus grand guide que tu as, c'est toi. Et parfois, tu peux avoir à quoi sert une guidance, par exemple, hein, quand je fais des guidances. Personnel. D'ailleurs, tout cet été, là, je fais des guidances personnelles le soir, hein, en début de soirée, pas le soir, en début de soirée, donc 18h. Hein, 18h, 19h grand maximum. Donc, si tu es intéressé, tu peux aller sur mon site internet où tu tapes sacré-féminin.com. Où tu cliques sur le lien, dans le lien sous la vidéo, je te mets toujours le lien de mon site internet ou dans ma biographie ou profil et tu peux, tout est écrit hein, on me demande souvent pour les guidances personnelles, tout est dessus, tout est sur le site. Voilà, sacré-féminin.com ou dans les liens que tu trouves sur tous mes réseaux sociaux, tu trouveras dans mes profils ou biographies. Une guidance, c'est quoi? Finalement, c'est pour en tout cas moi, comme la manière dont elles sont faites, c'est pour t'aider à entendre ta propre guidance en fait, hein, te connecter à ta propre guidance. Et c'est ça la lumière, c'est ça le flambeau qui est tenu. Parce qu'une guidance, eh bien, il y a des choses comme là, hein, celles que tu vois sur YouTube, elles font résonner quelque chose chez toi et elle te connecte à ton guide intérieur. Là, il est vraiment question de ça. Bien là, il y a quelque chose comme ça en allant voir le prophète ici. Voilà, bah écoute, hein, tu es devant cette vidéo, donc c'est peut-être ce que tu es en train de faire parce que tu es devant cette vidéo. Tout simplement. Hein. Voilà. On va prendre une autre une quatrième carte. Là, j'ai envie de prendre une quatrième carte.
prendra le petit ticket aussi. Ouais, voilà. Ah, mais c'est que là, on a peut-être une polarité Yang, ouais, qui est séduite, qui se retrouve, ouais, à être, bah, les émotions complètement chamboulées. Très clairement, ces deux cartes-là, on a deux fois de l'eau. Là, on a Vénus et Amour qui traversent l'Euphrate. Bon, bah, complètement chamboulée là. Alors cette carte-là peut être la carte aussi de l'adultère également. Et c'est beaucoup la carte, en fait, que l'amour, les sentiments, c'est surtout les sentiments malmènent en fait la personne, hein, mettre le bazar. Hein. D'ailleurs, ça me donne envie d'aller voir un petit truc là, vite fait. Je l'avais pas sorti celui-là, mais on va aller voir Béline. Mince. Ah bah Béline, bah un homme. Un homme, voilà, un homme. Polarité Yang, hein, ça peut être juste notre polarité Yang, polarité masculine en fait. Tu vois, on est bien dedans. Hop là. Eh ben, on nous parle. Donc, il me faut une deuxième carte d'héritage. Donc, héritage, héritage du passé, mémoire du passé. Ah, il y a quelque chose à. Bon, elle est tombée à l'envers. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui touche à sa fin aussi, peut-être aussi avec le procès là. Hein? C'est-à-dire qu'en prenant qu'on ne se faut pas être perturbé par quelque chose qui vient, qui peut-être ou une décision de justice, c'est possible aussi. Visiblement, cette décision de justice, elle est là, elle a été là parce que en fait, ça t'impulse d'aller vers ta réalisation. Ça peut être difficile, mais ça t'emmène à te réaliser toi. Hein? On l'a vu, hein, ça peut donc être complètement chamboulé par une décision comme ça de justice, j'ai l'impression, ou par des jugements et des critiques. Aussi, mais je vois une décision de justice quand même. Enfin, je ressens ça. Je vois pas avec mes yeux, hein. C'est vraiment ressenti profondément. Et en fait, du coup, ça chamboule complètement la personne. Voilà. Mais on voit avec notre alchimiste ici, juste avant l'apparition de la pierre philosophale, l'œuvre rouge, que c'est une étape importante. Et que il est question de. On a deux fois le guide intérieur de se faire confiance. Hein. On l'avait ici. Ne te sens pas rejeté aussi. Il y a ce travail sur la blessure de rejet. Et là, on a deux fois le guide intérieur ici. Hein. Donc écoute-toi, tu es guidé. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance, écoute-toi. Il y aura un choix à prendre, une direction à prendre qui va. Ça va être bon. Tu vas pouvoir rebondir et retrouver. Donc. Qu'est-ce que je pourrais te dire? J'aimerais bien tirer le petit oracle de l'intuition aussi pour terminer. En fait, il y a tellement de choses à dire que ça pourrait durer, mais des heures. Des heures, ça c'est sûr. En tout cas, il y a cette notion d'agir et d'agir comment? D'agir avec sagesse. Je ne sais plus où j'ai mis ma carte de la sagesse. Ah, elle est là, hop. D'agir avec sagesse. Hein. Ces deux cartes-là. Côte à côte, te demande d'agir avec sagesse. Donc au niveau sentimental, c'est vraiment ça. Et c'est en fait une sagesse qui est là bah, grâce à l'expérience, qui est venue au fil du temps. Et cette expérience, en fait, elle t'aide, et cette sagesse t'aide à résoudre les relations conflictuelles au niveau affectif, hein, sentimental. Et c'est vraiment là, n'agis pas à partir de du petit ego, mais vraiment avec sagesse. Et tu vois, et cette notion de temps, hein, de temps, la gestation, le temps, temps, persévérance. Beaucoup. Et ça va fonctionner. Ça permettra en fait de résoudre sans difficulté, en tout cas sans trop de difficulté, justement, toute relation conflictuelle. Et au niveau professionnel, ben justement, cette expérience-là, acquise au fil du temps, dans le passé, elle va permettre aussi de régler une situation peut-être professionnelle, et ben peut-être à l'amiable. À l'amiable. Peut-être qu'il n'y aura pas besoin de passer devant le tribunal aussi. Et au niveau financier, eh bien oui. Il y a quelque chose, on voit qu'il peut y avoir quelque chose de difficile, notamment dans le règlement d'une affaire financière, hein, matérielle. Et on voit que ça peut être lié à un héritage. Souvent, c'est lié, voilà, quand c'est des biens immobiliers, une maison, tout ça. Et là, on te dit très clairement de te défendre avec énergie, avec beaucoup d'énergie. Voilà, de ne pas lâcher.
J'espère que ça t'aidera parce que ça, c'est aussi quelque chose, une situation qui a pu voilà, te mettre émotionnellement dans plus de difficultés. Voilà. Et donc, j'entends mon bébé, donc je vais arrêter, je vais terminer. Il est avec le papa. Et là, je pense que c'est le moment. Hop. Il m'appelle, c'est fou, on sent. Foi. Eh bien, je vais terminer avec la foi. On est dans le thème de la prédiction, petit oracle de l'intuition de Vanessa Milczarek et Brigitte Barberan. Bon, voilà, maintenant tu le connais, hein, si tu me suis. Foi, une confiance absolue t'est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Eh bien, fais pause si tu veux lire le texte. Et voilà, je parlais d'une réalisation ici avec notre alchimiste, hein, l'œuvre rouge, c'est l'étape suivante. Et la foi, ton guide intérieur, ici la foi est là. La spiritualité, la foi est ici. Mais la foi, c'est pas la religion. Hein. Ça peut l'être aussi, hein, ça aide. Mais là, c'est la foi avec un grand F. Et une foi forte et forgée, on te dit une confiance absolue t'est demandée. Et grâce à cela, maintenant, hein, ici, maintenant, hein, pas hier, pas demain, ici, maintenant, ta réalisation, un instant T, eh bien, est sur le point de se concrétiser. Merci à toi, merci pour ton écoute et on se retrouve pour d'autres guidances dans la semaine.